Good morning, allez, dans les soirs aujourd'hui, le Nishmat Avram Mordechai, Ben Israël, Vefani Dvorah, Bat Esther, et Moshe Michel, Ben Bachar, Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine suite, Michel, à côté de 5 minutes éternelles. Nous, c'est Juma Sechet, Yevamot, Perek Tet, Zain, Mishnah. Zain, la dernière Mishnah du chapitre, avec un Sioum, Bezat Hashem. Amar Rabbi Akiva, Kshe Yaradedi, Lener Da'a, Le Aber Hashana Matzati Nechemia Ish Bet Deli. Amar Li Shamati She'en Messin et Aisha, Be'eret Israël, El Piyad Echad. El Rabbi Oda Ben Bava. Nous metilo ken adevarim. Amali emor laem mishmi. Atem yodim sha medina meshubeshet begaisot. Mekublani mi rabban gamliel azaken. Shemesin et aisha al piyad echad. Vachshebati veirtzeti adevarim lifne rabban gamliel samach litvaray. Vamar matzanu chaver rabbi yehuda ben bava. Mitoch adevarim nizkar rabban gamliel. Shenergu arugim betel arza. Vise rabban gamliel azaken neshotem al piyad echad. והוחזקו להיות מסים על פי עד אחד. והוחזקו להיות מסים עד מפי עד, מפי עבד, מפי אישה, מפי שפחה. רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים, אין מסים את האישה על פי עד אחד. רבי עקיבא אומר, לא על פי אישה, ולא על פי עבד, ולא על פי שפחה, ולא על פי קרובים. אמרו לו, מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים, והחלה אחד מהם בדרך והביאו בפונדק. ובחזרתם אמרו לפונדקית, היי חברנו, אמרה להם, אמת, הוא כבר טיב, וסיוע את אשתו. אמרו לו, ולא תהיה כהנת כפונדקית? אמר להם, לכשתהיה פונדקית נאמנת. הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו. Une Mishnah avec beaucoup d'histoires en réalité. Pour conclure l'histoire de le sujet développé ces derniers chapitres, maintenant, sur le Heter Agunot, de quelle manière on permet une femme que son mari est porté disparu, à pas, sur qui on peut se fonder. C'est-à-dire, selon la Torah, et d'avoir Shebaerva, par contre Mishnaim. Toute chose que l'on veut, toute situation qu'on veut faire évoluer pour tout ce qui concerne au rapport d'hommes et femmes, ce qu'on peut permettre une femme à terme, il faut toujours deux témoins. Et si on n'a pas deux témoins, on se fonde sur rien. Selon la Torah, c'est très strict. On ne se fonde pas avec des caméras et avec toutes sortes de choses. Il faut un vrai témoignage. Ça, c'était initialement. Chachamim ont donc fait un décret qu'on peut croire un seul témoin, même mieux que ça, même un témoin qui n'est pas cachère dans d'autres alors de témoignages. Là, on va le croire cette fois-ci. Et c'est ce que la Mishnah, en fait, elle va nous raconter des anecdotes autour de ces histoires. Que quoi ? Amar Rabbi Akiva, elle a dit Rabbi Akiva, que Sheyeradati le Nerda'a, quand je suis parti à Nerda'a, c'est une, je ne sais pas si c'est une ville ou si c'est une région à côté de Babel, en Babylone. En Babylonie, je ne sais pas plutôt, qu'il y avait, quand il est parti à Nerdae, les Aber Shana là-bas, il devait faire le calcul, est-ce que, il devait, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il devait se rendre là-bas pour cette histoire. En tout cas, avec eux, elle était partie pour faire calculer, est-ce qu'il fallait faire une Shana, mais au Beret, rajouter un mois ou pas. Il était parti à Nerdae. En tout cas, quand il était là-bas, Matsati Nechemia Ishbet Deli, il avait rencontré là-bas un bon juif, un tzadik, un chacham qui s'appelait Nechemia de Beth Deli, un endroit qui s'appelait Beth Deli. Amarli, il m'a dit, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, Shamati Shen Mesinet Aisha Beret Israël al Piyad Echad, c'est vrai la rumeur qui vient que en Israël, vous ne vous fondez pas sur le témoignage d'un seul témoin, et la Rabbi Yehuda Ben Bava, il y a juste Rabbi Yehuda qui se permet de le faire, mais tout le monde a peur de le faire, tout le monde attend qu'il y ait deux témoins, excepté Rabbi Yehuda Ben Bava qui se fonde sur un seul témoin, c'est vrai cette histoire? Venumetilo, et je lui ai dit, Numeti, c'est comme Ne'am, Na'amti, Ne'om, Ne'um, Hashem. C'est-à-dire, je lui ai répondu, Ken Hadavarim, tu as raison. En Israël, on permet pas de, on se fonde pas sur un seul témoin. Amarli, Imare, Imare, Torke, Nechemia, Ishbet, Deli. Et mort laem, Mishmi. Quand tu repars en Israël, dis-leur en mon nom. Atem Yodim, Sham, Medina, Meshubeshet, Begi, Asot. Vous savez bien que le pays, il est rempli de guerre, de gius, quoi, il y a des guerres et des affrontements, donc je ne peux pas venir, c'est trop compliqué pour moi pour venir. Mais en tout cas, sachez que, Mekoublani Mirabban Gamliel Azaken, j'ai une transmission depuis l'époque de Rabban Gamliel Azaken, qui était le grand-père de Rabban Gamliel, qu'on va évoquer ensuite dans le film de la Mishnah, le fameux, c'est le premier Rabban Gamliel, que quoi? Shemassin Atayishal Piyadechad, j'ai une transmission qu'on pouvait, oui, se fonder sur un seul témoin pour marier une femme. Urshebati, et Rabbi Akiva continue de raconter l'histoire. Urshebati, quand je suis revenu ensuite en Israël.
et j'ai exposé les paroles de Nechemia Shbedeli devant Rabban Gamliel, qui n'était pas Rabban Gamliel Azaken, c'est son petit-fils, et je lui ai raconté cette histoire, ça marche les dvaray, il s'est réjoui. Ve'amar, il me dit, il m'a dit, Matsanu Chaver le Rabbi Yehuda ben Bavar, on a enfin trouvé un ami, quelqu'un qui pense la même chose que Rabbi Yehuda ben Bavar, c'est-à-dire qu'en fait, en deux mots, et Rabbi Yehuda ben Bavar, lui, dans son bedin, il permettait la femme avec un certain témoignage, et tout le monde ricanait et avait peur de cette histoire, il disait, c'est quoi, on ne permet pas une femme avec un seul témoin. Jusqu'à qu'il est arrivé à Rabbi Akiva, et il a rapporté un témoignage qui datait déjà depuis l'époque, d'il y a 50 ans en arrière, disons, Rabban Gamliel Azaken, qu'effectivement on permettait une femme avec un seul témoin, et ça suffisait. Rabban Gamliel était très joyeux de ça. Il s'est dit, c'est super, parce que c'est important de pouvoir permettre les femmes, qu'on ne les laisse pas bloquer, les pauvres. Et justement, quelques minutes après, je ne sais pas, dans la même histoire, une fois que Rabbi Akiva, il a dit que c'est bon, donc il y a maintenant un autre témoignage de Nechemia Ishbeddeli qui nous raconte au nom de Rabban Gamliel. Donc du coup maintenant, on remarque que les Chachmé Israël ont cautionné la permission, la dérogation qu'on fait une femme avec un seul témoin. Mitoch Advarim Niska Rabban Gamliel, en parlant avec moi, il s'est souvenu Rabban Gamliel, chez Nergu Arogim Betel Arza, il y avait un endroit qui s'appelait Tel Arza, où là-bas il y avait eu apparemment un massacre, ou je ne sais pas, il y avait plusieurs hommes qui avaient été tués, mais on n'avait pas eu de témoins suffisamment, parce qu'on n'avait pas eu deux témoins Kérim. On a déjà dit, avoir deux témoins cachers, c'est très compliqué. Alors que d'avoir une personne qui a vu, même une femme, même un esclave, là c'est beaucoup plus, on élargit énormément les éventualités de trouver des témoins pour ça. Donc il s'est souvenu sur ça, Rabban Gamliel, une fois qu'on l'a reporté, qu'on pouvait son assurance à témoin, il s'est souvenu qu'il y avait une histoire avec Atel Arza, qui avait eu des hommes qui avaient été tués, on n'avait pas témoigné sur eux. Et justement, Vinci Rabban Gamliel, Azaken et Shotem, Alpiad et Chad. Et donc Rabban Gamliel, il a convoqué les personnes concernées avec ces hommes qui étaient à Tel Arza, qui sont fait tuer, il a appelé leur femme, il s'est là-bas retrouvé avec un témoin qui a raconté qu'effectivement à Tel Arza, Reuven, Shimon et Lévi s'étaient fait assassiner et qui allaient prendre leur corps, après, donc on n'avait plus de traces, et avec un seul témoin, et Rabban Gamliel leur a permis aux femmes de se marier, parce que maintenant il a un super témoignage qu'on se fonde sur un seul témoin. Et grâce à ça, que Rabban Gamliel a permis ces personnes tuées, eh bien, Vurzeko l'autre Messina al-Piadechad, et ça y est, depuis ce jour-là, la halacha s'est propagée dans le Ham Israël qu'on permet une femme avec un seul témoin. Vurzeko l'autre Messina al-Piadechad, et Vurzeko l'autre Messina al-Piadechad, et aussi dans la même lancée, on s'est même mis à permettre une autre permission, qui était de permettre Edmipied, un témoin qui témoigne à partir d'un témoin. Dans toute la Torah, je finis la phrase d'abord, après on explique les trois cas. Edmi Pied, un témoin qui sont sur un témoin. Mipi Eved, sur la bouche d'un esclave. Mipi Isha, sur le témoignage d'une femme. Mipi Shifra, et même aussi sur le témoignage d'une servante. Tout ça, ce sont des manières sur lesquelles on ne peut pas témoigner en général. Edmi Pied, c'est quelqu'un qui m'a dit. C'est-à-dire que si moi je me retrouve, moi et Reuven, moi et vous, on est ensemble, on se retrouve dans Reuven et Shimon qui nous racontent que une femme. Elle a reçu son guet, elle est devenue divorcée. Nous, on n'a pas vu qu'elle a reçu son guet. Mais on a eu deux bons juifs. Reuven et Shimon, ils nous ont raconté à vous et à moi ensemble. Est-ce que nous, maintenant, on peut partir au Beth Din et dire, ça y est, cette femme, on peut la permettre parce qu'on a des témoignages? Ça, c'est pas bon. Même si on est deux témoins, parce que là, il nous manque l'essentiel du témoignage, c'est d'avoir vu la chose. On est Ed Mipi Ed. On est des témoins qui ont vu devant des témoins. Si les deux témoins viennent devant le Beth Din et ils témoignent, alors là, ça prend une valeur de Beth Din. Nous, quand on est tous les deux ensemble, on n'est pas un Beth Din. Donc deux personnes qui nous racontent, on s'appelle Edmi Pied, on n'a pas un bon témoignage pour témoigner. Idem aussi pour témoigner avec à partir d'un esclave, à partir d'une femme, à partir d'une servante. Tout ça, ce sont des mauvais témoignages, des témoins invalidés par la Torah. Et malgré tout, pour pouvoir permettre la femme, le Hétéra Gounot, Chachamim, on fait une permission sur ça. Ok? Et c'est comme ça que la halakha est établie, aussi. Comme ce qu'on avait évoqué, il y a juste cinq femmes qui sont psoulot, comme on avait appris dans ce chapitre, le parik précédent. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua omrim, en si netaïcha al pied echad. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils disent, non, ma pitom, on ne permet pas une femme avec un seul témoin. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, et lui, il a un avis. Tout ça, ça s'est annulé, finalement. En tout cas, eux, à leur époque, comme ça, ils pensaient que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'on ne marie pas du tout une femme avec un seul témoin. Rabbi Akiva disait, oui, on peut marier avec un seul témoin, mais attention. Avec un témoin, oui, mais lo alpi isha, velo alpi eved, velo alpi shifra, velo alpi krovim.
Mais par contre, on ne peut pas permettre une femme avec un témoignage d'une femme, avec un témoignage d'un esclave, d'une servante, ou d'un proche parent. C'est Rabbi Akiva, il est un petit peu plus mekel. Il permet un témoin, mais il ne permet pas des témoins qui sont psoulim, qui sont invalidés dans d'autres témoignages. Il ne les permet pas non plus pour le témoignage de la femme. La halakha n'est pas établie comme ça, il est qu'on va même les permettre. Amroulo, on lui a rétorqué à Rabbi Akiva. Je ne sais pas qui a rétorqué exactement. C'est pas Vadaï, pas Rabbi Elazar, Rabbi Yeshua. Ce sont des personnes qui ont voulu dire à Rabbi Akiva qu'il fallait beaucoup plus permettre que Maase Bebne Lévi. Il y a une histoire avec des Bebne Lévi. Je ne sais pas qui étaient ces juifs là, des bons juifs en tout cas, les enfants de Lévi. Shalcho le Tsoar irat marim. Il devait partir un jour, il devait partir à Tsoar, une ville où là-bas il y avait des dattes. Vechala, ou des palmiers. Vechala echad mehem baderech. Et sur la route, il y en a un qui est tombé malade. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu continuer leur route avec lui. Mais eux, ils étaient obligés de partir à Tsoar. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vevioul bepundak. Ils l'ont emmené dans une auberge. Et là-bas, il y avait une aubergiste, comme ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire, une Goya. Et quand ils sont revenus, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire à Tsoar, ils sont repartis ensuite. Ils sont partis voir l'aubergiste, la femme. Ils ont dit, où il est notre ami? Il leur a raconté qu'il était mort et qu'elle l'avait elle-même enterré. Elle s'était retrouvée tout seule avec lui. Et elle a creusé, elle l'a mis sous terre. Et si où est Ishto? Et après, l'histoire raconte que on leur a permis, on a ensuite, une fois qu'on s'est fondé sur ce témoignage de la femme, pour ensuite aller permettre les femmes de la femme de ce monsieur qui était présumé décédé. Donc tu vois bien, Rabbi Akiva, que tu vois bien, Rabbi Akiva, qu'on peut sonder même sur une Goya, tu te rends compte? Donc il y a plus forte raison qu'on peut sonder même sur une femme. Même sur une femme juive, kshera, comme ils l'ont rétorqué tout de suite, ils ont dit, Vela, Amrolo, Velote, Kohenet, Kepundakit, et quoi, une femme Kohenet, une bonne femme juive d'une famille de Keuna, Hashuva, par exemple, elle ne va pas être plus crédible qu'une Pundakit, qu'une aubergiste Goya. Amar Lahem, il aura rétorqué avec Iva, Lirchete, Pundakit, Nehemenet. Tu veux me dire, oui, si on a cru l'aubergiste Goya, donc il faut croire à la Kohenet. Il n'y a pas eu d'histoire, on n'a jamais cru l'aubergiste. Là-bas, il y a une histoire différente. L'aubergiste, là-bas, elle nous raconte des choses. D'abord, comme la Gemara le précise, c'est rapporté dans Rashi. Quand on est arrivé, on a vu qu'elle était en train de pleurer, la pauvre. Et on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Où est notre ami? Elle nous a dit qu'elle est morte. Et après, une fois qu'elle nous a dit qu'elle est enterrée, elle nous a sorti son bâton avec lequel il marchait, son tarmilo, c'était sa sacoche, mais Sefer Torah, Shayabeyado, et son petit Sefer Torah qu'il avait avec lui, avec lequel il étudiait. Alors là, dans une situation pareille, avec une Goya qui parle sans intérêt, qu'on voit qu'apparemment elle est en train de pleurer, et qu'elle nous sort tous les proches, objets proches qu'il avait sur lui et qu'il est plus là, alors là, on peut se fonder la croire. Mais il n'y a aucune raison de là à déduire une halakha pour juste une femme qui va revenir de Khoutzlaret, qui va nous dire que Reuven il est mort. Avec intention de témoigner, elle n'est pas en train de messicha le futomo, elle n'est pas en train de parler naturellement, mais elle vient réellement témoigner, donc peut-être qu'on ne va pas la croire, comme ça est en train de qui va. Concrètement, la halakha, donc comme on a dit, la halakha elle établit qu'on croit un seul témoin, et même si c'est un témoin qui n'est même pas caché, elle demande aussi Ed, Mipi Ed, et Salik, Masechet Yevamot, Adran Alach, Masechet Yevamot, Analach, Masechet Yevamot, Analach, Masechet Yevamot, Benin, Eder, Bezrat Hashem. Qu'on ait le mérite encore de finir beaucoup de macertot ensemble. Deux petites choses. D'abord, on boit le petit lechaïm, bien évidemment, avec de l'arak au citron. Franchement, hein, à ce tour-ci, il vaut mieux pas se... Et voilà, lechaïm, tovim, shalom, mes rachem, qu'on ait le mérite encore de... Ça y est, on a commencé maintenant le cinquième seder. On a déjà fait quatre zarim ensemble. On a commencé maintenant... Non, on a commencé... Non. On a fait trois zarim. On a commencé le quatrième, on a fini la première, on a serré du premier seder. Maseret Yevamot. Tout vote, ça va être encore un petit peu long, après ça va être relativement court, la plupart des macertotes, des macertes najim. Qu'on ait le mérite encore de continuer pour encore plusieurs années à finir tout le chasse ensemble, et peut-être même plus, continuer plus. Et voilà les chaim tovim, baruch ata adonai Eloheinu melech haolam, shakon ni amid baro. Et on commence tout de suite, macertes, c'est que tout vote, quand même la première phrase, betula niset le yom arevi'i,
Une femme vierge doit se marier le quatrième jour, le mercredi, mardi soir donc. Valmana et la veuve le cinquième jour, comme son verra dans la chaîne dans le prochain cours. Et c'est tout pour aujourd'hui. Kol Tuv Sera.